Les nuits de Beyrouth n'ont pas la majesté des ruines de Baalbek, mais elles ont leur empereur. C'est lui qui m'invite ce soir, et il m'a envoyé son garde du corps, son chauffeur et sa voiture blindée pour me conduire vers son empire. Mon hôte s'appelle Michel Eleftheriades, un nom que tout le monde connaît à Beyrouth. Pas seulement parce qu'il est producteur de musique et propriétaire du Music Hall, un des lieux les plus renommés de Beyrouth, mais aussi parce que ce personnage étrange a fondé un pays dont il s'est autoproclamé souverain. Tu as créé un... C'est quoi? C'est un État? C'est... Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un projet politique, sociologique, culturel, économique. Et je suis l'empereur du Nooristan. C'est un pays qui existe depuis combien de temps? Depuis 6 ans déjà. Et il fait quelle superficie? Il est où? Il fait toute la superficie de la Terre. Parce que le Nooristan, c'est le premier pas vers le Everywhereistan. Donc maintenant, on est le Nulpartistan. Après, on va être le Partoutistan. Ça a vraiment grandi. On en est à plus de 150 000 citoyens à travers le monde. Et ça grandit de jour en jour. C'est une idéologie dont l'ultime but est de faire tomber tous les gouvernements et de remplacer ces gouvernements par l'idéologie nooristanaise. Ça fait quoi, bientôt 10 jours que je suis à Beyrouth. Et je me dis, dans le fond, c'est une idée assez beyroutine. Je pense qu'il faut être libanais pour inventer un truc pareil. Alors, parce qu'au début, j'ai cru que c'était une grosse blague. C'est un projet très sérieux, qui a un emballage, un packaging pas très sérieux. Mm-hmm. C'est une idée à toi. Oui. You can ignore me, you can laugh at me, you can fight me, but I will win! Tu es un peu artiste sur les bords, toi, non? Oui. Ouais, je suis... Enfin, si je puis me permettre de vous tutoyer, Altesse. Tutoiement et Altesse, donc comme ça, ça fait un bon équilibre. D'accord. Ça, c'est la petite chambre de torture. Mais quelle idée, pourquoi avoir une chambre de torture? C'est parce que j'ai été torturé. Dans quelles circonstances tu as été torturé? J'ai été arrêté à l'âge de 15 ans parce que je distribuais des tracts de Karl Marx dans une région où il y avait des milices d'extrême droite chrétienne. Et j'ai pensé que c'est une bonne idée pour exorciser ce mauvais souvenir. Mais là, il y a une chaise électrique. En rire. Hein. Ouais, je l'ai faite. Ah, c'est toi qui l'as fabriquée. Ouais, ouais, c'est artisanal. C'est un peu moins. Mais ça marche. Il y a, on peut aller de 40 volts, 60 volts, 70, 220. 220, c'est pour les méchants, c'est pour les très méchants. C'est l'humour noir. On est au Liban, autant en profiter. Tu serais capable de torturer toi-même? Moi-même, non, mais je peux déléguer. Ça, c'est des moutons d'or. C'est toi qui les fabriques? Oui, donc quelques-uns plaqués vrai or, 24 carats. Mmh. Qu'est-ce qui te fascine dans... Je n'aime pas les moutons. C'est pas bien, c'est pas une bonne mentalité. Je préfère les loups. On passe à table? Avec plaisir. Je vais vous laisser voir un peu ce que nous a préparé le chef. D'accord. Moi, je vais changer de veste, je vais mettre un truc avec des restes de caftan ottoman. D'accord. C'est plus agréable à table. D'accord, à tout de suite. Donc ça, c'est ma fanfare. C'est ta fanfare? Oui. The Imperial Marching Band! Nooristan! Les soirs, tu te sers une petite fanfare avant de dîner? Oui, parfois, comme en guise de réveil matin aussi. Ça, c'est bien pour commencer une journée, ça me donne des idées. Soyez un petit peu un patriote sur les bords. Les gens qui sont intolérants envers la musique militaire ont intérêt à ne pas se trouver sur mon chemin. Enfin, y a des hymnes insupportables quand même, non? Oui, non, surtout l'ukrainien, par exemple. Non, j'ai choisi au pif, ça aurait pu être autre chose. La Marseillaise, c'est pas très beau. Par contre, l'hymne russe
musicalement, c'est une merveille. C'est vrai. Rassi, ya, da, 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 di, da, 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 di, da, 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 da. C'est parce que tu n'aimes pas les boîtes de nuit que tu as cherché à créer un lieu un peu alternatif, justement. Exactement. C'est par réaction aux boîtes de nuit que je me suis dit que je vais trouver, que je vais monter un lieu qui soit une fusion entre le théâtre, les festivals et ce qu'on appelle boîte de nuit. Et j'ai pensé qu'on peut s'amuser tout en regardant, tout en écoutant de quelque chose qui soit culturel. C'est le seul endroit au monde où il y a par soirée 16, 17, 18 groupes. Chaque groupe ne joue que 10 minutes. On ferme les rideaux, on change la scène. Ils choisissent leurs deux ou trois meilleurs titres. Ils viennent sur scène et en 10 minutes, ils jettent tout et ils ressortent. On fait aussi des concerts de stars très connues. Ça marche bien, visiblement. Hein? Très bien depuis presque 9 ans. Ce soir, si c'est l'empereur ou le producteur de musique ou bien les deux. On va dire les deux. Parce qu'avec toi, on sait jamais. On sait jamais si on est dans le sérieux. Non, chez moi, tout est sérieux, mais parfois, c'est du sérieux qui prend des apparences de non-sérieux. Alors, comme tu as beaucoup de talent, je vais te laisser le mot de la fin. Vive le Noristan, vive son empereur et vive ses invités. D'accord. Faut-il que je te baise la main pour te dire au revoir? Non, c'est pas la peine. Non, ok. Une autre fois, peut-être. Oh, tu fais ça très bien. Hein. Il faut. Oh, oui, on voit que tu as un grand semonde. Oblige. Ouais, ça, ça. À bientôt et à merci. À bientôt. Bonne route. L'humour noir de Michel m'a laissé perplexe. Je me suis demandé, qu'est-ce que l'humour libanais ?